Salut à tous et à toutes, c'est Hobby Figurine. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto décor. Donc là ce sont des décors pour le type jungle. Alors idéal pour vos Warhammer 40 000 ou Warhammer, par exemple les hommes lézards, etc. Donc on va coller du carton plume sur un carton pas obligatoire parce que ça va permettre de solidifier. On coupe le contour au cutter et on va biseauter les contours pour avoir un peu plus de relief. Si vous trouvez que c'est trop brut, vous pouvez tout simplement donner un petit coup de papier de verre, mais moi je préfère, comme ça, ça fait un côté un peu rocheux. Après, on colle du sable de modélisme dessus, alors du sable de modélisme ou du sable standard, c'est comme vous voulez, avec grâce à de la colle PVA. Donc voilà. On va peindre en couche de base en marron moyen, donc ce marron-ci, donc en mettre partout. Ça va après être éclairci avec différents brossages. Donc on va brosser légèrement en couleur ocre. Donc cette peinture vous la trouvez n'importe où, que ce soit dans le commerce. Moi j'utilise les peintures de loisirs créatifs, ça sert à rien de prendre celle de chez Game Workshop qui est chère et que vous allez vite vider votre pot. Donc voilà, des tubes d'acrylique de 2-3 euros, ça fait l'affaire. Donc là je vais éclaircir avec un peu de blanc, donc 50-50, et un brossage un peu plus léger que le premier. Voilà, donc vous pouvez voir sur les arêtes, etc. Ça fait un dégradé assez sympa. Donc j'aime beaucoup, ça fait le côté terreux. Et là on va utiliser tout simplement de la végétation plastique que vous trouvez dans les trucs créatifs, dans les aquariums, etc. Il y a des plantes. Là c'est une plante, une sorte de plante sauvage que j'avais vue dans une sorte de foire fouille, donc dans l'espace tout simplement de fleurs plastiques. Donc voilà, donc il y avait ça à 2-3 euros, donc j'ai acheté ça. Et j'ai un petit peu aménagé aussi avec du lichen, donc c'est super intéressant, c'est pas très très cher. Donc c'est du lichen naturel, c'est pas du lichen plastique, c'est du lichen naturel. Donc après j'ai utilisé une plante plastique d'aquarium, donc je l'ai coupée en deux. La tige je l'ai coupée en deux et ça va me permettre de faire des petites végétations assez sympas. Donc voilà le tout. Donc après j'ai collé de l'herbe de modélisme dessus, donc je n'ai pas pris celle de Game Workshop, mais vous pouvez. Donc moi j'avais ça en râpe, donc j'ai utilisé un peu ça, pas trop exagéré, à des petits endroits, mais vraiment très léger pour pas trop surcharger la chose. Donc voilà, mais sinon en végétation vous pouvez la surcharger. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.